皆さん、しばしちょっとお顔を上げていただいて、向こうが左側、先ほどの本丸の方をどうぞご覧ください。 もう一言で言うと一座建立なんですよ。お茶の用語で一座建立っていうのは、まあ、主客が一緒になって一つの場を築くっていうのが、まあ、お茶の意味の一座建立だと思うんですけど、ダイニングアウトはですね、お客、ホスト、そしてシェフ、そしてそこの場所、そこの食材、気候風土も含めた、土地が持ってるものと全てが一座建立になる。 これがダイニングアウトの魅力なんだろうなと。で、一座建立した時に新しいものが見えてくる。今日
大分のお客さんとお話したら、私たちが知ってる大分ってこんなとこだったのか、竹田っていつも通過するとこだったんだけど違うところを見た、このイベントに参加して、あ、これは閉めたもんだなとちょっと思いましたね。これこそがダイニングアウトのもしかしたら本当の魅力、醍醐味なんじゃないかなとちょっと僕は掴んだような気がしましたね。Le vrai charme de Taketa, c'est une ville, une terre qui vit à son propre rythme, qui ne se laisse pas influencer par les choses extérieures, par la modernité, par la mode. C'est une ville qui vit avec sa propre énergie. Pourquoi j'ai accepté ? Parce que c'est éphémère et tout ce qui est éphémère est beau. Ils sont en train de dynamiser, j'aime beaucoup leur philosophie parce qu'ils dynamisent des côtés du Japon et de la société qu'il faut promouvoir pour le futur. La nature, l'harmonie des hommes et de la nature, penser de manière écologique, faire des choses qui ont du sens. Ils soutiennent toutes ces idées que moi j'aime. Et que qui me servent de philosophie, donc c'est ce que j'aime beaucoup dans cet événement, quoi.